Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Top Gaming Video, c'est parti pour une vidéo Battleland Royale saison 11. Donc les potos, la mise à jour est maintenant disponible, donc vous allez tout simplement dans le shop, vous cherchez Battleland Royale, vous faites la mise à jour, et là je vais découvrir la mise à jour avec vous. Je n'ai pas ouvert, vous voyez, Battleland Royale Season 11, donc saison 11. Donc voilà, il y a des changements au niveau de la présentation, le titre. Donc allez, problème de serveur, vous voyez en bas à droite, ils ont changé le petit... Vous voyez là où il vous dit qu'il charge à 100%. Donc allez, go. 75. Ouais. Peut-être qu'il y a maintenant, il y a tellement de monde qui est sur le jeu que c'est possible que ça bug. Donc allez, c'est pas grave. Let's go. Est-ce qu'il va se mettre ou sinon je le... Allez, je vais relancer, je vais quitter le jeu et je relance. Ouais, je pense que chaque fois lorsqu'il y a des mises à jour, les serveurs sont overbookés. Vous avez des centaines, des milliers de personnes, des millions de personnes peut-être même, qui sont connectées en même temps. Donc voilà. Allez, on veut voir la saison 11. Allez les gars, go! Donc ça reste bloqué à 75. Donc allez, go, go, go. Ah ben voilà, 100, découvrons ça. Donc tout de suite, on va acheter le pass de combat. Donc voilà. Je vais prendre un petit screen pour la miniature. Voilà. Donc 8 en gemme, c'est parti. De combat déverrouillé et tout de suite on passe à l'action. Je vous présente le pass de combat. Donc tout d'abord le nouveau skin Gus, vous voyez que son prix normalement c'est 55 francs, l'équivalent à peu près à 50 euros. Ouais, je crois que c'est aussi un peu abusé le prix qu'ils ont marqué. Bref, c'est ce pack que vous pouvez gagner ce soir dans mon petit tournoi. Voilà, donc Gus skin rare, franchement il est stylé. Voilà, donc maintenant sans tarder je vous présente le pass de combat. Donc voilà notre nouveau skin. Ben, on va tout de suite aller mettre notre nouveau skin. Hop. Tellement content. Donc Neptune, on va lui mettre le parachute du top 1. La danse pour le monde, c'est égal, je dois faire vite, je suis trop stressé, trop content les potos. Voilà, donc on continue avec le pass de combat. Voilà, c'est bien, il nous offre tout de suite des gemmes. Voilà, donc 5 fois le piège. Donc ensuite dans ce pass, ben voilà, je vous ai déjà présenté les, ben voilà, queue de renard, ça on l'avait déjà vu, le tir aussi on l'avait vu. Donc on a pas mal de fois les pièges, c'est bien. Le drapeau Future Play. Donner un peu d'amour aux devs. Donc à mettre pour les lives. Le sabre sage. Wok wok wok. L'heure du heavy metal. Excalibur, j'aime bien, franchement, j'aime trop. Et donc le skin Soldat Axel. Donc vraiment un skin incroyable. Donc franchement, cette saison, j'ai aimé les trois skins. Donc allez. J'ai le booster d'étoiles, c'est bien.
Donc je vous conseille de mettre le booster d'étoiles, surtout si vous voulez rush, si vous voulez progresser, vous voulez débloquer. Et regarde-moi, ce skin est vraiment vraiment super bien fait. Vous voyez, j'ai 52 personnes connectées, donc vraiment un truc de ouf. Donc voilà pour ce qui en était du pass de combat. Donc bonne mise à jour à tous. Et si vous voulez tenter de gagner ce soir ce skin, ce petit pack Gus, ben voilà, à vous de participer sur le live. Les gars, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, un nouveau live. Je vais dans cette vidéo ne pas mettre d'intro, outro parce que je vais les publier assez vite. Allez, à très bientôt les gars. Ciao, ciao.